laver ma gloire vivant, nourrir ma parole vivant, pour me servir mon Dieu vivant. Tout autant moins rété. Moi, salut chaque grand monde dans le nom de Jésus. Amen. 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 On dit la Trinité merci de ce qu'il permet que nous soyons capables de dormir et nous capables de réveiller matin pour nous adorer lui en esprit et en vérité. Amen. Et tant de messages paroles, nous bénissons Seigneur, que ton nom soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté. Alléluia. Sans perdre de temps, on a fait une lecture parole bon Dieu. C'est dans Hébreux chapitre 4, et on a plié les versets 9 jusqu'au verset 12. Hébreux chapitre 4, les versets 9 jusqu'au verset 12. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Apprissons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge en les sentiments et les pensées du cœur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bon Dieu, permette que depuis le mois de septembre, là, nous ayons comme thème efficacité chrétienne. Efficacité chrétienne. Efficacité, c'est caractère de ce qui est efficace et fait action utile. Par exemple, on a parlé de l'efficacité de médicaments. Lorsqu'on dit médicament efficace, c'est-à-dire que au bon douleur, le prescrit médicament n'a un laps de temps. Donc, de le aller passer. Là, ça vous dit que médicament, ça allait vraiment efficace. Donc, matin, nous parlons des sept habitudes des chrétiens efficaces. Les sept habitudes des chrétiens efficaces. Nous savons que les chrétiens ne deviennent pas immédiatement efficaces en sortant des eaux du baptême. Nous observons qu'à travers la pratique et la discipline dans le Saint-Esprit, ils cultivent des habitudes qui deviennent une partie naturelle de leur vie et les rendent éventuellement plus efficaces en tant que chrétiens dans le service du Seigneur et de son Église. Il y a plusieurs habitudes en commun chez les chrétiens efficaces, mais Matthieu a parlé de sept. Amen, l'Église. Amen. Première habitude, là, c'est les chrétiens efficaces lisent et obéir à la parole de Dieu. Les chrétiens efficaces lisent et obéir à la parole de Dieu. Les chrétiens efficaces sont efficaces parce que leur vie tire son pouvoir de la parole de Dieu. Ils savent ce que Dieu dit et cette connaissance les rend capables de faire les bons choix de manière plus cohérente. Ils résistent aux tentations parce qu'ils ont la parole de Dieu dans leur cœur et leur esprit. Ils savent mieux défendre le bien, donner les bons conseils, dire de la bonne chose au bon moment. Parce qu'ils savent ce qu'est le bien, ils peuvent même le citer. Le chrétien efficace, c'est le chrétien qui a un pouvoir
qui vient laver dans la parole, bon Dieu. Et connaissant ça, les gagnants, lui permettent que les capables de faire bon choix. Et que tu es efficace là, les résister à tentation. Parce que nous connaissons l'ennemi, les mettre toute qualité, besoin, obstacle devant nous, pour nous tenter. Mais avec la parole de Dieu, n'a résisté. Paul félicite Timothée en 2 Timothée 3, verset 15, parce qu'il connaissait les Saintes Écritures dès son jeune âge. Et cette connaissance l'a conduit au salut. On ne peut être efficace comme chrétien si on ne connaît ni obéit à la parole de Dieu. Et on ne peut la connaître si on ne la lit pas. Donc, moi-même avec vous, frère Samuel, nous ne sommes pas qu'à efficace si nous ne pas lire et obéir à la parole de Dieu. Lire, c'est une. Mais pratiquer là, c'est deux. Lire, c'est une. Et pratiquer là, c'est deux. En pile fois, nous n'avons pas besoin de dire que nous sommes chrétiens. Mais c'est dans l'action, non. C'est dans le comportement, non. Nous devons réaliser que nous sommes petit bon Dieu. Deuxièmement, les chrétiens efficaces ont une vie de prière active. Les chrétiens efficaces ont une vie de prière active. On ne peut pas faire l'expérience de la vie du Christ efficacement sans la lire dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que moi-même avec nous, pas qu'à faire expérience de vie Christ là, si nous pas lire la vie dans la parole bon Dieu. Dieu ne peut pas changer, façonner et modeler notre vie si nous ne la partageons pas avec lui en prière. Observez les personnages du Nouveau Testament que Dieu a utilisés de manière puissante. N'étaient pas des hommes et des femmes de prière. Jésus priait à chaque étape de son ministère. Jésus, il n'est pas dit me rêter sans la prière. L'apôtre Jean était en prière quand il a eu la vision d'écrire le livre de l'Apocalypse. Paul priait constamment pour être dirigé dans son ministère. Lydia était à une réunion de prière quand elle a été convertie, Actes 16, verset 13 à 15. Donc, un chrétien efficace le gagne comme habitude pour lui mener une vie de prière active. L'habitude de la prière est ce qui nous garde à l'écoute de Dieu et sensible à l'esprit. Sans l'habitude de la prière, les demandes bouillantes du monde et les impulsions de notre chair sont tout ce que nous entendons. C'est-à-dire que les nous paraître en communication avec bon Dieu. Donc, disons, ça monde-là, à projeter, à se décapriter dans l'esprit, nous. Et ça va mener une vie de stress, parce que le monde-là, ça les baille. C'est pour longtemps. Mais après, c'est tristesse. Mais les nourritures connectées avec bon Dieu, le Saint-Esprit lui veut une possibilité pour communiquer, nous. Plein de bénédictions, bon Dieu, qu'il y a pour nous. Donc, le chrétien efficace réussit à garder la foi et à grandir parce qu'il demeure en contact avec l'Esprit de Dieu à travers la prière. Frère Samuel.
Deuxièmement, les chrétiens efficaces établissent des buts spirituels. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a un invité en affaires qui dit, si vous ne prévoyez pas le succès, vous prévoyez d'échouer. Si vous ne prévoyez pas le succès, vous prévoyez d'échouer. Que ce soit en affaires ou à l'école, en famille ou en équipe, chacun doit planifier à l'avance. Qu'on a sauvé à le faire. Les besoins ont planification à l'avance. Est-ce que les différents pour une vie spirituelle? Non. Le christianisme efficace nécessite que nous établissions des buts spirituels, personnels, et y travaillons activement. Que nous faisons des sacrifices pour les atteindre. Il n'y a personne qui est capable de recevoir un trophée, une médaille. Dans un concours, par exemple, si nous avons un jeu olympique là, si avant les pattes poursuivent leur objectif personnel. Pas de aucun politicien qui a pu remporter l'élection sans pas inscrit toi n'a pas de stratégie. Elle dit que l'idée est en ouais à l'avance. C'est-à-dire que la mettait en phase tout élément, toute condition pour le remporter. Donc, que ce soit d'être plus fidèle aux assemblées ou de commencer à aider d'une manière quelconque, de s'engager à remplacer une mauvaise habitude par une bonne, ou de faire mieux dans la tâche qui nous a déjà été confié, on ne devient pas plus efficace comme chrétien sans visualiser un but réaliste, sans établir une stratégie pour l'accomplir et sans nous engager à l'atteindre dans un certain temps avec l'aide de Dieu à travers la foi en Christ. Ça fait Paul Bral dit que oui, nous avons but, nous avons objectif, mais il faut nous planifier d'abord. Nous ne pouvons pas réaliser rien sans nous pas avoir un plan. Donc, moi-même avec vous, besoin d'avoir un plan. Et nous besoin connaître tout, pas rien que nous avons réalisé dans la vie, ça, sans Jésus. Je veux le dire dans Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quatrièmement, frère, mieux, c'est mieux. Les chrétiens efficaces cultivent les talents des autres. Les chrétiens efficaces cultivent les talents des autres. Dans la Bible, Barnabas était un des hommes qui a démontré cette habitude si clairement en commençant avec Paul, un nouveau converti, et ensuite avec Marc, le jeune missionnaire. Les chrétiens efficaces réalisent très tôt que pour rendre efficace, ils doivent bâtir les autres membres du corps. Salomon dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Proverbe 27, verset 17. Paul le dit d'une autre manière, mais que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties,
et s'édifie lui-même dans la charité. Éphésiens 4, versets 15 et 16. Les chrétiens efficaces assument la responsabilité des âmes. Donc, les chrétiens efficaces cultivent le talent des autres, c'est-à-dire que nous, là, il n'y a pas le christianisme individuel. Youn là, pour compléter l'autre. Ça fait pas loin de dire, nous fait partie d'un seul corps, nous sommes membres d'un seul corps. Donc, nous, chaque, nous besoin youn l'autre. Ça fait, les nous réunis ensemble, témoignage, il est là pour l'édifier. Grâce à témoignage, je m'a réalisé combien bon Dieu est grand, combien bon Dieu est merveilleux. C'est comme ça que l'aime nos situations m'a réalisé. Bon Dieu n'a servi à lui, c'est pas bon Dieu qui était qu'on agit dans le temps seulement, mais il est toujours capable d'agir dans le moment que nous vivons là. Ah, il est dit en Hébreu 13, verset 8. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cinquième habitude, les chrétiens efficaces assument la responsabilité des âmes. Au chapitre 2, verset 12 de son épître aux Philippiens, il dit, travaillez à votre avec crainte et tremblement. Il est dit des veillants, ils examinent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11. Les veillants le faisaient pour vérifier si la prédication du Paul était fidèle à la parole de Dieu. Les chrétiens efficaces assument la responsabilité de leur propre âme et de celle des autres, en particulier de ceux qui sont perdus. Ils sont efficaces parce qu'ils savent que le christianisme n'était pas un jeu et que la foi n'est pas une béquille pour les faibles. Les chrétiens efficaces font une différence dans leur congrégation et dans le monde parce qu'ils comprennent que les conséquences sont sérieuses, la vie éternelle, et que l'ennemi est très dangereux, savoir Satan. Nous sommes chacun responsables de notre âme. Ni le prédicateur, ni les anciens ne le sont pas. En fin de compte, nous serons jugés d'après ce que nous a dit et fait. 2 Corinthiens 5, verset 10. Le comportement chrétien Béréo était vraiment, disons, exemple pour nous-mêmes. Ça fait demander pour nous retenir la parole. Ça fait dire bon pour nous aller dans l'étude biblique. Hein? Pour nous poser questions. Donc, pas un tendez et boel. Non. Après, il y a chita ensemble. Pour les paroles, bon Dieu. Ça, vous qui tendez, il y a vérifier. Il y a les, vous qui dit, passer l'en par soi. À travers paroles, bon Dieu. Donc, moi-même avec vous, nous besoin des comportements chrétiens virés. Sixièmement, les chrétiens efficaces servent les autres. Les chrétiens efficaces servent les autres. Jésus a dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 20, verset 28.
Pensez qu'aucun de nous serait ici si le Christ était venu comme un roi avec ses serviteurs et qu'il avait reçu l'adoration qu'il desservait vraiment. Non, nous sommes ici avec une espérance du paradis aujourd'hui parce que Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même, comme Paul le dit en Philippiens 2, verset 7, en prenant une forme de serviteur. Donc, moi-même avec vous, nous appeler pour nous servir l'autre. Son service efficace sur la croix ensanglantée du calvaire est ce qui nous a sauvés. Ce qui continue le salut qu'il a délivré une fois pour toutes est le service efficace des millions d'hommes et de femmes qui se donnent en service pour toucher chaque génération d'âmes qui sont perdues dans le Christ. Pour les chrétiens efficaces, le service n'est pas inconvénient qu'ils subissent pour éviter la culpabilité. Non! Comme pour Épaphrodite, le service est un style de vie issu de l'amour pour Jésus. Le service est un style de vie issu de l'amour pour Jésus. Donc, nous avons Christ qui était dépouillé, lui, qui était en forme de serviteur. Et ça fait, elle est arrivée au moment où tu es, par exemple, d'humilité. Et il était fait préparation, faire préparation pour laver pied monsieur. Et il a été opposé à ça. Mais elle devait quitter le sens à pour moi. Elle était opposée à elle, et ça le dit, puis eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas me pas dans le royaume là. Donc, il était fait ça pour montrer que moi-même avec vous, nous avons besoin de servir. C'est comment les chrétiens efficaces meurent concentrés sur le royaume. Les chrétiens efficaces demeurent concentrés sur le royaume. Les chrétiens efficaces ont appris à garder le royaume en priorité et n'ont pas laissé les soucis et le désir des richesses envahir leur vie spirituelle. Matthieu 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement, dis-moi avec tout ça que nous faisons, nous devons chercher le royaume, bon Dieu d'abord. Et si nous avons des soucis, des yeux nous envahissent. Que non? Eh bien, l'imandé pour nous repentir. Le Saint-Esprit ouvre sur nous pour nous voir. Comment nous plus préoccuper? Tant-nous à Marie-Monde là. Le comportement que nous devons gagner, c'est repentir rapidement et reconcentrer attention sur les affaires, mon Dieu. En fait, les chrétiens efficaces continuent à augmenter leur engagement, leur amour, leur vie, même dans les affaires du royaume, et diminuent leur implication, leur amour et leur vie dans le monde. Les chrétiens efficaces savent que le royaume dure à jamais. Les chrétiens efficaces savent que le royaume dure à jamais. Qu'il est la réalité, la vie elle-même. Et que le monde est temporaire. Pécheurs et plein de mort. Ils le savent. Et ils vivent en conséquence. Donc, tout ça,
que n'a fait dans vie ça nous besoin connait quand a passé à li pas représenter rien devant l'éternité. Par conséquent, nous besoin mettre affaire bon Dieu d'abord. Frère Samuel, nous souhaitons les sept habitudes essentielles d'un chrétien efficace. Premièrement, c'est lire et obéir à la parole de Dieu. Lire et obéir à la parole de Dieu. Il y a un chambre qui dit que lis la Bible, priez chaque jour, et on va grandir. Donc, un chrétien n'est pas qu'à grandir, un chrétien n'est pas qu'à efficace, s'il ne pas lire et obéir à la parole de Dieu. Deuxièmement, priez Dieu à chaque jour. C'est-à-dire que nous devons disposer des temps pour nous prier, mon Dieu, pour nous chercher, mon Dieu. Troisièmement, établir des buts spirituels et personnels. Établir des buts spirituels. Troisièmement, cultiver vos talents et ceux des autres. Cinquièmement, assumer la responsabilité de votre âme et celle des autres qui sont faibles ou perdus. Sixièmement, augmenter le taux de l'intensité de votre service. Demeurez extrêmement concentré sur les choses spirituelles plutôt que mondaines. Demeurez concentré sur les choses spirituelles plutôt que mondaines. Frère Samuel, au même, et que cet esprit-là, c'est grâce qu'on déjà, il y a cette habitude, ça y est. Qu'un bel là. Mais on même qui peut-être bien trois, bien quatre. Puisque la parole de Dieu, non seulement est vivante et efficace, mais elle y enseigne nous tout. Elle dit non. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, moi-même avec vous, nous appelons pour nous être efficaces. C'est-à-dire que pour nous faire travail, bon Dieu, et pour bon Dieu, satisfait de nous. Mais ne pas capable de faire, si ne pas les paroles, bon Dieu, et obéir, si ne pas prier. Si ne pas établir des buts spirituels et personnels, si ne pas cultiver talent et le talent, si ne pas prendre responsabilité de l'homme, de qui ça l'a nourri, et pour nous servir un autre, pour nous fixer au regard sur bagaille qui est spirituel. Nous sommes capables. Mais avec Dieu, nous sommes capables. Que Dieu vous bénisse dans votre transformation en chrétien hautement efficace.